Bon, les meufs, je sors de la salle. Enfin, je suis encore dans les vestiaires. Je me suis douchée, je me suis changée, maquillée. Et là, je vais partir dans un mall qui est juste à côté. Je vais aller faire un tour chez Zara et tout. Je vais vous montrer un petit peu les dernières nouveautés. Mais en fait, j'ai envie de refaire un peu ma garde-robe. Donc, je me suis dit que c'était une bonne occasion. Bon, je viens tout juste d'arriver chez Zara. Premier abord, niveau vitrine et tout. Oh, regardez, je me suis cachée. Vous pensez que tout le monde le voit? Ou genre, ça va, c'est un peu discret? Moi, je pense que ça va, c'est un peu discret. Non. Bref, je suis en mission, donc je vous ai dit, j'ai envie de refaire un peu ma garde-robe. Je sais pas trop ce que je recherche, mais je veux de la nouveauté. Pourquoi le seul jour où j'ai envie de dépenser, c'est le seul jour où j'ai envie de dépenser. Genre, ça fait trop longtemps que j'avais pas envie d'aller faire de shopping. Des fois, j'y pensais, je me dis, allez, Fidji, va te prendre des nouvelles tenues et tout, mais j'en avais aucune envie. Aujourd'hui, j'étais trop motivée, je trouve rien. Mais même pas un truc, je trouve rien chez Zara. Donc du coup, je vais vous partager mes coups de cœur parfums. Je sais que ça vous kiffe de ouf. Surtout que les parfums sont vraiment pas chers du tout, ils tiennent trop bien sur la peau et tout. Mais en dehors de ça, nul, 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 nul. Ensuite, j'ai trouvé cette combinaison. Mais franchement, c'est vraiment pour dire, j'ai cherché des choses pour vous faire un mini haul. Mais non, je crois qu'il n'y a rien qui me plaît. Je vous la montre un petit peu en détail, vous voyez tout le haut de la combi, il est comme ça. Bon, c'est hyper hyper original. Pour celles qui ont déjà commandé, vous allez être trop contentes. Je vous ai parlé il y a à peu près, je crois, 2 semaines de la marque Joya. Ok, c'est des compléments alimentaires, ils font du thé, ils font plein de choses à base de plantes 100% naturelles. C'est une marque française qui est vraiment top. Et ils sont tout le temps en rupture. Ils sont tout le temps en rupture, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'où le fait que je vous le propose très rarement. Mais là, ils ont remis grave du stock, les filles. Et je sais que leur best-seller, c'est ce que vous aviez grave kiffé, c'est ça. Donc, c'est leurs coupes fins qui sont surpuissants, qui sont un 3 en 1. Je vous montre ça tout de suite. Pour les nouvelles qui n'ont pas vu la dernière fois, activez le son, écoutez bien, je vais tout vous expliquer. Les filles, pour celles qui ne connaissent pas cette marque, on est sur une marque minceur. C'est 100% naturel à base de plantes. Je vous ai sorti 2 cachets pour pouvoir vous montrer comment ça se présente. Alors, moi, à la maison, j'ai les cachets, donc les Slim Caps. Et j'ai aussi la Chantilly Minceur, qui est à base de vitamine C et d'ananas, qui est hyper puissante pour brûler les graisses. Je vous explique tout de suite. Que vous voyez, il y a 3 couches. Donc, dessus, en fait, vous allez retrouver un effet brûle-graisse, un effet coupe-faim et un effet énergisant. Elles sont trop, trop bien, les filles, ces capsules. Je vous les recommande. C'est seulement une fois par jour. Tu dois juste la prendre le midi avec un grand verre d'eau. Et l'effet coupe-faim, il est hyper puissant. Ça va te permettre de vraiment réduire au niveau de tes assiettes et donc de manger moins et donc de maigrir hyper facilement. Grosse dinguerie aussi de la marque, c'est cette Chantilly Minceur à base d'ananas, de thé vert et de vitamine C. Elle sent tellement bon. C'est une dinguerie, donc elle a un effet brûle-graisse. Elle raffermit la peau, donc c'est aussi super pour les filles qui ont accouché ou qui ont simplement perdu du poids et donc qui ont besoin de raffermir leur peau. Je vous la recommande vraiment, elle affine la taille et elle hydrate hyper bien. Et le petit plus, c'est que vous allez vraiment sentir l'ananas. Oh, je vous jure, les filles, ça sent trop trop bon. Je vais vous montrer la texture. Bon, comme on est sur une chantilly, vous voyez. Oh, regardez-moi ça, c'est trop satisfaisant, mais vraiment. Donc vous l'appliquez, ça va fondre très très rapidement. Et vous massez 2 à 3 minutes les zones nécessaires. Ça peut être les bras, les cuisses, vraiment même pour les filles qui ont du relâchement cutané au niveau de la peau, des bras, vous pouvez très bien l'utiliser. Comme je vous l'ai déjà dit, cette chantilly, non mais l'odeur, je vais m'en appliquer un peu. Vous pouvez vraiment l'appliquer partout, cuisse, ventre. Vous l'appliquez, vous massez 2-3 minutes, vous faites pénétrer pour l'effet brûle-graisse et vraiment éliminer, même en termes de centimètres. La texture déjà, elle est... la texture c'est trop satisfaisant. Et l'odeur, moi qui est, comme je vous ai déjà dit, une adepte de parfum corporel, parfum d'intérieur, tout ce qui a un rapport avec les odeurs, là... tu te transformes en bonbon, je t'explique. Tu te transformes en bonbon. Tu te transformes en bonbon. Moi, personnellement, j'en utilise uniquement sur le tour de taille. Mais vous pouvez vraiment mettre partout, comme je vous ai dit, fesses, partout, partout. Et du coup, j'arrive dans le lit le soir. Genre, je sens trop bon. Anna, elle me dit tout le temps, oh, tu sens trop bon. Genre, depuis le début, qu'on s'est rencontrés. À chaque fois, je sens trop, trop bon. Et là, vu que je suis sur cette crème-là, je sens l'ananas. Vous
allez retrouver tous les différents produits que je vous ai montrés. Là, on a la chantilly minceur, les slim caps. Ça fait plus de 2 mois qu'ils étaient en rupture, donc je n'ai jamais pu vous reproposer un code. Là, il y a du stock foncé. Ça, d'ailleurs, c'est la nouvelle crème facelift idéale pour le double menton, les filles. C'est une crème action 1 mois. Vous allez donc lifter la peau, affiner le visage, redonner de la fermeté. Bref, c'est une dinguerie. C'est vraiment le pack complet que je vous recommande. En tout cas, profitez-en. Vous avez moins 40% sur tout l'ensemble du site. Ils ont sorti aussi le pack minceur complet. Donc, vous allez retrouver les petites capsules ainsi que des thés minceur coupe fin. Franchement, ça, c'est le combo aussi idéal. Bref, les meufs, ça va tellement réduire votre appétit que du coup, vous allez perdre rapidement sans vous frustrer, sans mal vivre votre diète. Puisque bah, si d'habitude vous mangez une part de pizza entière, là vous mangerez plus que la moitié, je vous assure. Je vous mets le code juste ici, moins 40%, profitez-en et je vous en... Bon, je me suis changée, j'ai mis mon pyjama, j'ai mis un peignoir à la part du jeu pour parler avec vous. Faut que je vous partage une série coréenne que je regarde en ce moment tous les jours quand je vais au sport. Incroyable, ça me permet de faire mes séances trop facilement, tellement que je suis plongée dedans. Je ne me rends pas compte du temps, de l'heure qui passe. Et elle est extra, extra, extra. Franchement, moi, je veux même plus en entendre parler des autres séries. Les séries coréennes, j'ai sous-estimé, j'ai négligé pendant tellement longtemps. Et en fait, mais c'est une dinguerie. Je tombe jamais... Désolée, je galère à tenir mon portable. Je tombe jamais sur une série coréenne. Enfin, jamais, en tout cas. Je suis tombée une fois sur une série coréenne. Je crois que ça s'appelle Le Masque ou un truc comme ça. Une des dernières que Netflix a sortie. Trop chelou, j'ai pas du tout aimé. Vraiment, j'ai pas du tout, du tout, du tout aimé. Je trouvais que c'était trop bizarre pour ceux qui l'ont regardé. Mais là, je vais vous en partager une foncée. C'est une juge pour les mineurs. Criminalité. Oh, trop, 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 extra, extra. Je vous le redis, foncée. Je vous partage l'extrait, comme d'hab. Et ensuite, je vous partagerai la jaquette de la série. Il n'y a qu'une seule raison à ça. C'est la haine. Je déteste au plus haut point les jeunes délinquants. Le coupable qui a assassiné cet enfant de 9 ans avant d'avoir mutilé son corps s'est rendu aujourd'hui aux forces de police aux alentours de 20h. J'ai entendu dire que les enfants de moins de 14 ans n'étaient pas envoyés en prison même s'ils tuaient quelqu'un. Est-ce que c'est vrai ? Comment quelqu'un d'aussi jeune est-il capable de meurtre ? Tout le monde lui en veut d'avoir commis ce crime. Mais lui donner une chance, il n'y a que les juges qui peuvent le faire. Nous devons leur montrer que la loi peut être effrayante. Si les parents couvrent leurs enfants, la cour et le gouvernement ne doivent pas se laisser influencer. On doit leur apprendre qu'il y a un prix à payer quand ils font du mal aux autres. Vous n'avez aucune compassion pour personne ? Pourquoi détestez-vous à ce point les jeunes délinquants ? Ce sont des délinquants. Ce qu'ils vont retenir, c'est que la loi ne protège pas les victimes. Dans les prochains jours, beaucoup de choses vont changer. Il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Et je suppose que c'était à nous de le faire.